Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les emplacements des arcs mécaniques, des arcs primitifs enflammés, explosifs, empoisonnés, ondes de choc et des flèches, etc. Donc pour trouver ces emplacements d'arcs, eh bien, il suffit juste de fouiller des coffres, vous pouvez aussi en trouver par terre, mais là je vais vous montrer des emplacements où ils spawnent très souvent. Donc par ici, au monument à côté du sanctuaire, juste ici, très souvent sur ce coffre là, il y a des arcs explosifs ou n'importe quel arc. Donc là regardez, je vais aller l'ouvrir, en plus c'est un coffre légendaire, donc il y a de grandes chances qu'il m'en donne un. Hop, je l'ouvre. Ah bah là il m'en a pas donné. Bah, c'est pas grave, je vais vous montrer un autre emplacement. La partie juste avant, j'ai fait deux emplacements, et les deux emplacements que je vais vous montrer, donc j'avais fait celui-ci, et bam, il m'avait donné un arc. Après, j'ai fait un autre emplacement qui était là-bas, si je me trompe pas. Il y en a un là-bas. Mais c'était pas celui-là que j'ai fait juste avant. Dans la partie précédente, j'avais pas fait celui-là. J'en avais fait un autre. Mais on va quand même tester celui-là pour voir s'il m'en donne un. Ok, vous voyez, il m'en a donné un. C'est pas mal, parfait. Ah oui, très important. Les... Non, casse-toi. Oufti. Regardez, lui aussi, il a un arc... mécanique à onde de choc, boum, on va le prendre, on va se soigner aussi en même temps. Bon, on va se soigner avec ça, ce sera plus simple. Et ouais, les flèches, vous pouvez les trouver dans des boîtes de munitions aussi. Donc les flèches pour l'arc. Voilà. Alors j'avais fait un autre emplacement de coffre. Attendez, ça c'est un... Ok, on va prendre ça pour se déplacer. Ah. J'ai pas maintenu assez longtemps. J'avais trouvé un autre arc qui était derrière... la pompe à essence là-bas. On va y aller. Boum. Boum. C'était sur une petite colline. Donc la colline, c'était... Normalement, c'était celle-ci. Et il y avait un tronc d'arbre à moitié coupé avec un coffre. Ah bah, c'était celui-ci. Mais là, le coffre, il n'y est pas. Mais normalement, il y avait un coffre juste ici. Et lui aussi m'avait donné un arc. Donc on va aller aussi vers Jonesy. Et là, Jonesy aussi, il y a plein de coffres où vous allez pouvoir obtenir des arcs. Après, normalement, ça spawn un peu partout. Hein. Mais là, je vous présente des emplacements où moi, j'ai déjà obtenu des arcs explosifs, empoisonnés, mécaniques, etc. Primitifs. Donc ici, hop. Donc là, il ne donne pas d'arc. On va aller fouiller un peu à côté. On va aller fouiller dans la maison, juste ici en bas. Là, il y a un coffre. On va voir s'il le donne. Donc là, il ne le donne pas. On va rentrer dans ce bâtiment-ci. Je pense qu'il est... Il est en bas, le coffre, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, là, il n'en donne pas. Après, il y a un... Il y a un... Système de chance, hein. C'est possible qu'il vous en donne pas, mais c'est possible qu'il vous en donne. Donc voilà, hein. On n'a pas tous les coffres. Mais je pense que du côté de la jungle et tout ça, vous allez pouvoir trouver plus facilement des arcs que si vous allez dans les montagnes ou quoi. Après, je suis pas trop sûr, mais voilà. En tous les cas, les arcs primitifs, mécaniques et tout ça sont disponibles. Et il y a des défis aussi qui sont disponibles. Hop, on va détruire le toit. Ok, il est juste là. Ok, celui-là, il m'a donné quoi comme arc? Il m'a donné un arc enflammé. Donc, regardez, il y a des défis aussi avec cet arc. Enfin, avec les arcs. Ah, bah, lui aussi, il avait un arc, justement. Hop. Ok, parfait. Donc, regardez, il y a des défis. Semaine au tir à l'arc. Donc, éliminer des adversaires avec un arc mécanique explosif. Toucher les forces de l'IE avec un arc enflammé.
infliger des dégâts à des joueurs avec un arc primitif, chasser la faune sauvage avec un arc primitif, infliger une onde de choc à la faune sauvage avec un arc mécanique à onde de choc dans différentes parties. Non, dans différents modes de jeu. Ok. Donc de toute façon, je vais vous faire un guide complet sur tous les défis. Là, je vais commencer à travailler là-dessus et je la poste dans la journée. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.